Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Starbound des 4 Please Giraffe. Un épisode comme toujours consacré donc à la colonisation, donc j'ai trouvé un biome sympathique, le biome swamp, donc le biome marais, et je vais y construire une maison assez rapidement, vous allez voir, hein, ça va être très simple. On va la faire ici d'ailleurs, on va prendre... Hop, voilà. Voilà. On met ça au bout. Ça au bout. Vous allez voir, ça va vous rappeler des choses. Hein. est-ce que je peux par exemple le mettre dans ce sens-là? Non, ça marche pas. Alors ça, c'est des bouts que j'ai récupérés donc sur la planète en question. Au passage, j'ouvre le coffre. Vous voyez, j'avais déjà vu qu'il y avait ça dedans. Donc bon, je voulais vous le laisser quand même. Ça, moi, je l'ai déjà pris. Je l'avais déjà avant. J'aimerais cependant récupérer... Hop. Mes saloperies. Voilà. Parfait, on va tomber en panne de lumière, donc je vais remettre mon sac à dos quand même. Histoire qu'on soit un minimum éclairé. Ouh, ça fait très vert, c'est bizarre. On va donc mettre, comme toujours. Hop. Voilà. Voilà. Qui donnera peut-être un semblant de réalisme. Je peux pas passer dessous actuellement. Ah bah non, parce que c'est à cause de ça justement. Bon, c'est pas grave. Ah bah non, même pas. Pourquoi je peux pas passer dessous? Normalement, je peux. Étrange. Pourquoi pas? Bon. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va couper l'arbre là. Hop. Récupère le bois en trop. Donc, oui, il y a un marchand là. Mais bon, ce sera pour vous montrer plus tard la différence entre ce marchand et l'autre. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du bois classique. Hop. Juste à côté, ce qu'on peut faire, c'est mettre... Hop, voilà. Crac. On va remettre encore une fois du bois classique. Non, je vais mettre du bois. Bah non, j'ai du beau bois, du bois ornate. On va mettre du bois ornate. Hop, je vais y arriver. Voilà. Je peux rien mettre à cause de ce fichu arbre. Hop. Alors, je peux encore aller voir par là, qu'est-ce qu'il y avait un autre... Non, juste ça, bon, pourquoi pas. Hop. Voilà. Hop. Crac. Voilà. En fond, on va mettre, je sais pas, qu'est-ce que j'ai en bloc. On va prendre ça déjà. Prendre ça, c'est pas grave. Hop. Bla. Heureux, chers amis. Donc, alors moi, il faut aussi vous savoir ce qui s'est passé plein de temps entre deux. Oh, putain. Hop, on va finir cette maison rapidement. Crac. Voilà. Crac. Crac. Allez. Hop. Voilà. Hop. Voilà.
J'ai chié dans la colle? Aurais-je chié dans la colle? J'ai chié dans la colle. Hop. Hop. Voilà, ça fait une tête de grenouille. Crac. Et ensuite, on fait... Voilà. 2, 3, 1. Regardez-moi Startis dans l'âme. Voilà, c'est une grenouille. Eh, c'est la classe ou c'est pas la classe? Pour la peine même, on va mettre... Je sais qu'il y a du blanc normalement, voilà. Hop, normalement il y a du noir aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Hop, hop. Oui, c'est... il y a du vert aussi dans le mont aussi d'ailleurs. C'est une grenouille. Bon là par contre ça se voit pas des masques, c'est une grenouille hein. Hop. Crac. Je crois que j'en ai mis là où il fallait pas que j'en mette. Hop. Je peux pas repeindre le bois. Bon bah ce n'est pas grave. C'est une grenouille quand même. Ah! Il me manque un bout de bois là. Hop, parfait. Bon. Attends, il va nous falloir deux portes. On en a mis normalement, donc on devrait pouvoir faire au swamp. Voilà. Ferry plutôt. Ferry. Light. Ah, je vais pas avoir les ferry light. slash spawn item. Ferry light. 2. Je crois que c'est ça normalement. Voilà. Les voilà. 2. En mettre 4. Hop. Ce sera fait. Hop, oui, ça va. Alors, n'oubliez pas que ces choses-là apparaissent au bout de votre. Comment ça s'appelle? De votre. Mince. Au bout de votre. Au niveau de votre curseur, en fait, directement. Donc, pensez-y bien. On va mettre door. Bamboo door. Hop, on va en mettre 2. C'est parfait. Ça me semble pas trop mal. Donc toujours swamp. Si je mets swamp, je devrais pouvoir trouver ce qu'il faut. Swamp. Swamp chair. 2 swamp bed. On met un swamp comme ça. D'accord. Je vois pas la différence. Hop. Parfait. Et donc là, si on fait slash debug slash boxes, on compte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a plus de 20. Normalement, il en fallait 18. Donc je fais slash debug. Voilà, il en fallait 18 normalement. Donc normalement, si je fais ça... Voilà! Et on a réussi à faire pop un vendeur. Si ça, c'est pas génial... What? T'es sérieux là? Faut que je fasse un essai là. Là, faut que je fasse un essai. T'es en train de me dire. Jeu, t'es en train de me dire que si je plante. Possible cette histoire. Ah, peut-être que j'aille sur de la terre. Peut-être que j'aille sur de la terre. Je vais remonter sur le vaisseau. Je vais mettre un bookmarks.
Est-ce que j'ai une planète normale à côté? Bookmarks. Colo Swamp Merchant. Ouais. Merchant. Hop, voilà. Est-ce que par exemple si je vais sur la... Y'a pas une gentle à côté? Hop, avec de la... Lush planète parfait. On va y aller. Là ça m'étonne pour le coup, chers amis, vous voyez? Donc vous voyez comment on fait une colonisation avec un personnage particulier. On essaiera de venir dessus sur la planète quand il fera jour pour voir à quel point ça ressemble à une grenouille. Mais je suis content de moi, je suis comme malgré tout content de moi. Hop. Alors. J'ai envie de voir, parce que si c'est fonctionnel cette histoire... Somme d'emptilet soil. On va la regarder sur Google en même temps. Hop. On va bien voir avec un peu de bol. Samp Diled Soil. C'est bien ça, hein. Damp Tiled, putain j'en ai chier. Damp Tiled Soil. Merde, Kodik. Apparemment un sol humide et labouré. Putain, je suis pas prêt d'en avoir. Bon bah je suis baisé. Ok, c'est pas grave. On va retourner, je m'en fous, on va retourner voir mon truc et je vous fais une petite ellipse. Hop. On va retourner voir mon copain dans Méo. Et moi je vous fais une ellipse. Ellipse, encore une. Voilà, re, chers amis. Alors, nous revoilà avec un marchand, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, avec ses petits trucs à vendre. Avec son recreational vehicle. Toujours aussi sympathique. Et donc sa petite maison en forme de grenouille, et je suis fan. J'ai bien fait, je me suis bien débrouillé, je pense. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Hop. En fait, on peut pas passer en dessous, mais c'est pas grave. Elle est cool, sa maison.